Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Gnabry au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications, ça reste c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée de Serge Gnabry au Real Madrid. En fin de contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Serge Gnabry aurait alarmé le Real Madrid qui serait prêt à le recruter cet été lors du prochain mercato estival pour oublier Kylian Mbappé qui vient de prolonger avec le PSG jusqu'en 2025. Selon la presse espagnole, l'Allemand verrait d'un bon oeil l'idée de signer au Real Madrid lors du prochain mercato 2022 et ce parce qu'il aimerait la ville et pourrait y retrouver certains de ses proches. Le Real Madrid cherche à se renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Après l'échec du dossier Mbappé, le club madrilène aurait remporté son intérêt sur l'ailier droit du Bayern Munich, Serge Gnabry. Après la signature jeudi pour 4 saisons de l'international allemand Antonio Rüdiger, le club merengue va tenter de se renforcer sur le plan offensif. Une piste intéresse tout particulièrement le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et sa cellule de recrutement. Comme indiqué par les médias allemands et espagnols, ces dernières semaines, le Real Madrid aurait fait de l'ailier du Bayern Munich, Serge Gnabry, l'une des grandes priorités de son mercato d'été. Le journal AS confirme ce vendredi que le champion d'Europe compte faire une offre dans les plus brefs délais, quitte à froisser le club bavarois qui cherche à prolonger le bail de l'Allemand. L'arrivée de Serge Gnabry au Real Madrid s'achève de plus en plus. Plusieurs contacts entre le clan de Serge Gnabry et le Real Madrid ont eu lieu. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait à fond pour recruter l'Allemand Serge Gnabry pour l'été 2022. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Serge Gnabry au Real Madrid est une très bonne idée? Ou est-ce que d'après toi, l'arrivée de Gnabry au Real est une très mauvaise idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications, ça reste assez évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.